L'Université de Lille et la Fondation de l'Université de Lille ont réuni les partenaires et mécènes qui ont participé à l'effort de mobilisation auprès des étudiants empêchés numériques. Avec l'Université de Lille, en effet, l'avenir, ça peut être de développer des partenariats pour l'aide aux étudiants. Donc c'est vrai qu'il y a des intérêts communs qui sont très, très forts et puis qui peuvent tourner aussi autour de tout ce qui concerne la RSE. Ces partenaires ou mécènes ont participé à ce plan de différentes façons. Que ce soit avec des dons de matériel informatique ou un accompagnement financier, les acteurs du tissu économique local se sont investis auprès des étudiants. Call & Care, l'aventure a débuté en fin d'année 2020 avec le président de la Fondation de France qui voulait vraiment réunir un collectif pour apporter des réponses en faveur des jeunes et notamment des jeunes dits décrocheurs. Il y a eu près de 1000 ordinateurs qui ont été donnés via le mouvement et le collectif Call & Care avec de nombreuses entreprises qui se sont engagées. Et aussi une donation de 30 000 euros via Alliance Emploi. On est très vite arrivé sur deux sujets, le bien-être des étudiants et puis leur capacité à poursuivre leurs études. Donc on est intervenu particulièrement sur la capacité à poursuivre les études à distance, puisque ce confinement était là et on ne savait pas pour combien de temps. C'est une première soirée de remerciements qui a pour but de lancer des partenariats au long cours afin d'accompagner les étudiants vers leur avenir. La Fondation de Lille est engagée auprès des jeunes étudiants par le biais d'une action qu'on appelle les Bourses de l'Espoir et qui permet d'attribuer des aides financières coup de pouce à des étudiants en difficulté à un moment crucial dans leur parcours d'études. Et donc nous aidons des étudiants des Hauts-de-France méritants qui ont besoin d'être aidés financièrement. Dans le cadre de la crise sanitaire, la Fondation de Lille a souhaité amplifier son action vis-à-vis des étudiants et nous avons créé un fonds de solidarité étudiant. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers l'Université de Lille. Une lutte contre la précarité créée par la pandémie, mais aussi le début d'un partenariat gagnant-gagnant entre le monde socio-économique, l'Université de Lille et sa fondation, au profit de nos étudiants, notamment au travers d'actions de différentes natures, comme le mentorat.